Bonjour. Dans ce nouvel épisode du Dessous des cartes, nous allons observer, grâce aux cartes, comment la France, pays fasciste libre, et le parallélisme vont briser cette spirale et enfin libérer les peuples du monde opprimés en leur apportant la paix, la sécurité et une culture unique incontestable qui mènera le monde vers une paix unifiée. Alors que sur le continent français, les premières armées commencent à passer les frontières anglaises, de l'autre côté du globe, c'est en 1904 que les premiers soldats français débarquent sur les plaines égyptiennes. L'objectif est simple, Catherine de Médicis est fatiguée, les Français veulent des résultats, donc l'Angleterre sera conquise, l'Égypte sera rasée, la France se servira des restes de l'Égypte pour lancer son assaut sur le royaume congolais afin d'exterminer sa culture, et la population de l'Allemagne sera pulvérisée à coups de bombes atomiques dès qu'elle ouvrira la bouche. Comme ça, quand tout le monde sera mort, on pourra peut-être enfin vivre en paix. Du coup, la marine française ne fait plus dans la demi-mesure, les croiseurs lance-missiles français réduisent en miettes les défenses de Memphis, qui tombent dans la foulée, de même que sur l'autre front où l'artillerie fait pleuvoir la mort sur Plymouth, qui se fait prendre en à peine quelques mois par les divisions blindées françaises. Les tanks sont repeints avec du sang, et les crânes des ennemis sont accrochés sur le pare-choc des blindés français afin de pousser les populations à se rendre. Malheureusement, cette stratégie ne se révélera que peu efficace. L'Angleterre, nous le voyons sur cette carte, ne sera pas une grosse menace pour la France. Les grosses villes anglaises sont essentiellement situées sur la côte, Plymouth, Sheffield, Londres, et plus on s'éloigne des côtes, plus les villes deviennent moins importantes. Pour la France, les villes à l'intérieur des côtes n'ont que peu d'intérêt et seront donc rasées pour créer une zone tampon avec l'Allemagne plus au nord. À peine 2 ans après le début de la guerre, les armées françaises sont profondément enfoncées dans les territoires anglais qui ne peuvent rien faire pour empêcher la prise de ces villes. Sheffield et Leeds sont attaqués simultanément par les armées gardant le front allemand qui se sont rabattues vers le sud, tandis que à l'est, les divisions blindées et les soldats continuent de traverser le détroit égyptien pour participer à la guerre. Au-delà de la prise ou de la destruction des villes, l'objectif est double. En effet, les civils égyptiens ou anglais servent donc de cible d'entraînement afin de préparer les soldats à la vraie guerre qui viendra inéluctablement, la guerre contre l'Allemagne et contre le Congo. Car le Congo, nous l'avons vu, se dote d'une culture impressionnante. Or, la culture non parallèle est un danger pour la France. Il faut donc éliminer cette culture, l'éradiquer, afin que les seuls gens culturés restants soient les Français. En 1911, la capitale égyptienne s'effondre et dans la foulée, l'Angleterre dépose une demande de capitulation auprès des autorités françaises. Évidemment, Catherine refusera et dira à Victoria qu'elle peut se mettre son éventail dans le cul. La France est devenue une vraie machine, des navires de guerre sortent des usines norvégiennes, des soldats et des avions sont produits un peu partout, et les seules constructions autorisées sont celles des grandes usines pour améliorer la production de combat. Les Français vivent au rythme de la guerre, les dessins animés du matin sont remplacés par des cours d'entretien sur les fusils d'assaut, et en l'honneur de l'impératrice Catherine, toutes les jeunes filles du pays doivent désormais porter le nom de Catherine. Ce qui au final se révélera être une très mauvaise idée, car un vrai casse-tête pour l'administration. Alors que la guerre touche presque à sa fin sur le front égyptien, où les tanks de l'armée du désert attaquent Thèbes, dernière ville égyptienne qui accueille le gouvernement en exil, sur le front anglais également, l'affaire touche également à son terme. Avec la destruction des villes de Newcastle, la zone tampon avec l'Allemagne prend forme, seules 4 villes anglaises sont conservées, Plymouth, Leeds, Sheffield, et la capitale anglaise, Londres, qui tombe en 1915 sous les coups de feu de l'artillerie française plus efficace que jamais. Le gouvernement anglais en exil et sa dirigeante fuiront vers l'ouest, vers la petite ville de Birmingham, avant d'être rattrapés par la ligne de front, et c'est donc en 1918 que Victoria, souveraine de l'Empire britannique, la voix chevrotante par l'émotion, annoncera la reddition de son pays. L'Angleterre rejoindra les poussières de l'histoire, balayées par le glorieux fascisme parallèle, mais pourtant, à la surprise générale, l'Égypte, qui malgré la prise de toutes ses villes, refuse la capitulation sans condition. Ces villes ont toutes été prises ou rasées, y compris le petit village de Sena en 1922, un avant-poste égyptien sur le continent français, mais malgré ça, l'Égypte ne se rend pas. L'état-major français suppose donc qu'il existe d'autres villes égyptiennes installées à des endroits encore non découverts par les explorateurs. Or, la guerre ne peut pas continuer pour l'instant car le peuple est fatigué du conflit et menace de se révolter dans la plupart des villes. Catherine, en tant que dirigeante aimante dans notre grand pays, prend en compte l'avis de sa population car elle ne peut pas risquer une révolte. En effet, elle a besoin des civils pour en faire des soldats pour ses futures guerres. La guerre se termine donc en 1923 avec la restitution de la capitale égyptienne à Cléopâtre, mais en 1925, un vent de panique commence à se répandre à la tête de l'état-major français. Le Congo a officiellement dépassé les 50% de la culture mondiale. Les jeunes écoutent du rap congolais subversif à base de principes d'égalité, de mixité sociale et de diversité religieuse. Or, ces comportements déviants ne peuvent pas être tolérés par les dirigeants français. La première étape vers la paix mondiale passera donc par l'Allemagne, dernier bastion étranger hostile à la France sur le continent.
La flotte française, bien équipée de plusieurs croiseurs lance-missiles et de deux porte-avions, remonte donc vers les côtes allemandes afin de se mettre en position. Les tanks remontent vers le nord, les soldats sont en place au large de la capitale allemande, Münster est à portée de canons et les premiers bombardiers tapisseurs de bombes sortent tout chaud des usines. Nous sommes le 3 février 1934, les diplomates français arrivent à Berlin et exigent que Barberousse, empereur d'Allemagne, remette aux Français la totalité des ressources allemandes, la totalité du trésor allemand, son slip et qu'il se mette un doigt dans le cul pour chanter la Marseillaise déguisée en poulet. À la surprise générale, les Allemands acceptent afin de préserver la paix. Les diplomates allemands reviennent à Berlin un peu humiliés mais satisfaits d'avoir réussi à préserver la paix mondiale, mais de manière inattendue, ces demandes de la France n'étaient qu'un prétexte pour déclarer une guerre à l'Allemagne. La France déclare donc la guerre à l'Allemagne le 10 février 1934, avec comme motif qu'il faut vraiment être un peuple un peu chelou pour avoir accepté de faire tout ce que Catherine avait demandé. Au matin du 11 février, les premières bombes tombent sur les villes côtières allemandes et les armées se mettent toutes en route pour le nord. La différence de puissance de feu est colossale, les Allemands ne possèdent pas d'aviation ni de marine efficace pour arrêter la France. La stratégie française est implacable, les croiseurs lance-missiles déciment les défenses allemandes, les bombardiers pilonnent inlassablement les villes et pendant ce temps-là, l'armée de terre, elle, effectue un mouvement de crochet qui remonte vers le nord. En moins de deux, la capitale allemande est coupée du reste du pays et Münster et Francfort sont rayés de la carte. Les tanks français n'ont presque pas à se battre puisque les soldats ne font qu'entrer dans des villes en ruines dont les défenses ont déjà été écrasées par l'aviation et les civils massacrés par les bombardements. C'est la technique dite des frappes chirurgicales car les survivants ont besoin de beaucoup de chirurgie pour réussir à survivre. Cologne et Heidelberg, les deux grands ports allemands qui tombent avant 1938, eux ne sont pas détruites. Les villes sont conservées afin de multiplier les ports sur la rive est, mais c'est réellement à partir de 1940 que va se jouer le sort de cette guerre. Les armées françaises concentrent donc leur puissance de feu sur Aix-la-Chapelle, capitale de l'Allemagne. La ville est encerclée par l'armée de terre, bombardée jour et nuit par l'artillerie. Et pendant ce temps-là, la flotte française, elle, qui n'est plus à portée de tir, décide donc de se diriger vers l'est, vers les côtes congolaises, afin de commencer l'opération suivante appelée Coco Bongo sur le Congo, un nom de code destiné à tromper l'ennemi. Aix tombe en 1941, le gouvernement allemand en fuite part vers Mayence, dernier bastion allemand du continent, qui capitule finalement en 1943. Barberousse dépose les armes, c'est la fin de l'Empire allemand. La France est désormais seule sur son continent, d'est en ouest, du nord au sud. Elle a su triompher de ses ennemis, vaincre ses oppresseurs sans jamais renier sa nature profonde. La paix mondiale est désormais un rêve à portée de main. Les peuples du monde vont-ils continuer à vivre dans la décadence culturelle de l'Empire congolais ? Où vont-ils embrasser le parallélisme français? Il n'y aura qu'un seul vainqueur dans l'histoire de l'humanité et nous verrons cela dans le prochain épisode du Dessous des Cartes. Je ne peux évidemment pas finir cette émission sans rendre hommage à Jean-Christophe Victor, créateur et animateur de l'émission du Dessous des Cartes sur Arte, qui nous a quittés récemment. Son émission a prouvé qu'on pouvait aborder des sujets très complexes et fournir une explication claire en à peine quelques minutes et sans être ennuyeux. Du coup, le meilleur hommage que je puisse faire, c'est encore de vous encourager à aller voir ses émissions, il y en a plein sur YouTube. Si vous aimez cette émission, qui en est une parodie sur Civilisation, alors vous verrez que ça passe tout seul, que c'est super intéressant et que ça vous éclairera sur beaucoup de points de notre monde d'aujourd'hui. Voilà.